Moi, je suis un peu en marge parce que j'ai commencé, j'avais 30 ans pratiquement, donc c'est pas vraiment les critères. Et j'avais une amie qui avait une boutique, j'habitais dans la banlieue de Paris, elle avait une boutique de prêt-à-porter et un jour elle me dit « Écoute, j'ai un de mes fournisseurs qui a un gros problème, leur mannequin a été hospitalisé d'urgence et ils ont personne pour faire le salon du prêt-à-porter. Est-ce que tu veux bien le faire ?» Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit d'accord, parce que j'aime bien tout ce qui est imprévu, inconnu. Les voyages, en fait, ça s'est fait surtout sur la fin des années 90. Donc à ce moment-là, ils avaient déjà plus de 20 ans. Donc ce n'était pas un problème. En fait, tout s'est bien articulé pour que ça puisse se faire très facilement.